Ok. Salut. Donc, je vous présente Michel Lalanche, qui est présentement à l'école félicitaire. Ah oui. Salut, comme vous autres, les grands valeurs, les petits valeurs. Alors, est-ce que tu veux procéder à... tiens, je vous explique, tout le monde, mais je vais partir, tu vas ton bout, que naturellement, c'est un projet qu'on a depuis 2-3 ans, Daniel et moi, de réussir à faire un spectacle en simultané de cette façon-là. Alors, on le réalise aujourd'hui. Il va se présenter tout un band là-bas qui vont faire la musique. Et nous, on fera la chanson. Daniel, c'est à toi. Donc, parle de Rodrigo. Donc, d'abord et en tout, comme Michel disait, ça fait 2-3 ans qu'on travaille ça. L'idée de faire ce projet-là, c'est de passer la musique à travers l'Internet pour pouvoir faire en sorte qu'on fasse des projets collaboratifs ensemble. Et là, à un moment donné, après notre colloque ouvert qu'on a fait il y a à peu près 3-4 ans, Michel est venu nous rejoindre à Petite Vallée. Bien, c'est là qu'on a commencé à parler de musique, de d'autres projets. Et là, il s'est dit, mais moi, j'aime ça chanter. Fait que quand je partirais une chorale à mon école, là, moi, on a beaucoup de musiciens, que je vais fournir la musique. Et maintenant, il y a deux défis qui se sont présentés. Dans son carré, c'était de tout gérer cette dynamique-là, de diriger une chorale, de produire des partitions, de trouver des partitions, de faire un répertoire, de trouver des jeunes, de former ces jeunes. Ici, pour moi, trouver les jeunes faire de la musique, ce n'est pas un problème en soi, mais c'était plutôt comment diffuser la musique sans délai. Fait que, après bien des recherches, après bien des contacts, on a fini par trouver la belle, je dirais, qui s'appelle Johnny, c'est une petite boîte bleue. Je ne la bougerai pas trop parce que je vais monter tantôt après ce temps. Je vais monter à moins toucher. Et ça, ben, ça permet vraiment, il y a des algorithmes dedans qui permettent de passer tout le signal entrant, sortant, la même affaire du côté de Montréal. Michel a la même technologie que moi. Donc, le signal entrant, sortant va se compresser. Il y a un calcul qui se fait, de sorte que nos voix vont entièrement synchronisées. Donc, voilà. Je te laisse la parole, Michel. Ben, moi, on avait dit à nos choristes qui se présentent, est-ce que des musiciens vont rentrer? Oui, mais de toute façon, on commence par. C'est la langue de chez nous, la première. OK. Est-ce que tu veux faire la langue puis que les choristes se présentent après? On y va avec une première? Oui, c'est ça, exact. Eh bien, mon cher, la langue de chez nous. Alors, mesdames et messieurs, on vous présente la langue de chez nous de Daniel Dutel. Je viens faire un mélange avec Daniel Auteuil. Alors, voilà. Et c'est Daniel qui va nous accompagner au piano pour cette pièce. Thank you.
OK, je suis là. Je commence à la base. Maintenant, j'étais chez nous. Je
J'étais complètement, tu sais, branché ma guitare, mettons, dans la jamming, amener mon routeur dans la jamming, puis avec une paire d'écouteurs de iPhone, carrément, je pouvais jouer directement avec mon autre jamming qui serait ailleurs au Québec, ou ailleurs, complètement à l'extérieur du pays. J'ai jamé avec le technicien à San José le printemps passé. C'était du direct. Correct. Que, autrement, quand on peut passer plusieurs instruments, ben là, on la jumelle avec une console. Et là, ben, le traitement du son se fait directement par ça. Parlant de plusieurs instruments, est-ce qu'il y a des musiciens qui se joignent à nous là maintenant? Non, pas tout de suite. OK, donc on va les attendre avant de se présenter. Ben, vous pouvez toujours vous présenter. Non, on va vous attendre. On va y aller pour le deuxième morceau. C'est bon. OK? Je laisse se présenter. Eh bien, comme on est à Félix Pétlaire, on va faire la petite suite de Félix. Daniel, je te laisse partir. Oui.